Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper bizarre de vous refilmer cette intro. Ça fait 4 mois que je ne vous ai pas fait cette intro et ça m'avait manqué. Ça fait 4 mois que je n'étais pas mise dans cet emplacement-là, cette configuration-là. Mais honnêtement, ça m'avait beaucoup manqué. Alors, dans cette vidéo, donc c'est mon comeback sur cette chaîne, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 4 mois. Je vais vous expliquer les idées de vidéos que j'aimerais aborder et que je vais aborder sur cette chaîne. Et également vous parler de ma seconde chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Tout sera expliqué dans cette vidéo-là. Alors, premier sujet, c'est pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 4 mois. Alors, il n'y a pas eu de vidéo pendant 4 mois, tout simplement parce que je me sentais plus inspirée. J'avais plus d'idées, j'avais l'impression de radoter un petit peu. Donc du coup, je me suis dit, on va faire une pause, tu vas réfléchir à est-ce que tu vas arrêter cette chaîne, est-ce que tu veux la mettre en pause, est-ce que tu veux la continuer. Voilà, j'ai vraiment réfléchi à tout ça. Et ben voilà, la décision a été prise, je reprends les vidéos sur cette chaîne. Après avoir bien réfléchi au sujet que j'aimerais aborder, qu'est-ce que j'aimerais faire, etc. Ça, je vous en parle juste après. Donc voilà à peu près pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne-là pendant 4 mois. D'ailleurs, la dernière vidéo qu'il y a eu en ligne, c'était un vlog, donc je vous mettrai sur le petit si vous voulez le voir. Voilà. Et à partir de cette vidéo, je lance à nouveau ma chaîne, si vous préférez, tout en gardant mes anciennes vidéos. Voilà, je ne les supprime pas, mais c'est un peu un nouveau départ. Donc voilà. Deuxième sujet que j'aimerais aborder, c'est les sujets de vidéos que je vais aborder sur cette chaîne. Alors, il y a bien sûr toujours les vidéos de tout ce qui est produits de maquillage, etc. Les hauls, les tags. Ça, je vous en ferai toujours, mais peut-être un peu moins que ce que je faisais avant. Ensuite, deuxième sujet que j'aimerais aborder, c'est Disney. Voilà. Vous voyez, j'en ai un petit peu derrière moi. Bon, j'en ai pas des masses, mais j'en ai un petit peu. C'est vraiment un sujet que j'aimerais aborder sur cette chaîne. Disney, en parler plus. Je vais vous faire également une vidéo, je peux pas dire une vidéo revue, mais je vais vous donner mon point de vue sur le film Le Roi Lion, qui est au moment où vous voyez cette vidéo toujours actuellement au cinéma, je crois. En tout cas, au moment où je vous la tourne, elle est toujours au cinéma. N'hésitez pas, je vous mets un petit sondage sur le petit i pour me dire si vous avez vu Le Roi Lion ou pas, le film Le Roi Lion qui est sorti. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu ou pas. Voilà. Je vais vous faire cette vidéo-là très bientôt sur la chaîne parce que, petit spoil, c'est un film que j'ai adoré. Voilà. Je vous parlerai des points positifs, des points négatifs que je trouve, les différences que j'ai trouvées par rapport au dessin animé parce qu'il y en a. Enfin, pour moi, il y en a. Donc voilà. Ensuite, autre sujet donc j'aimerais aborder, c'est vous parler de paranormal. Alors, petite parenthèse sur ce sujet avant de continuer. Le paranormal, on y croit ou on n'y croit pas. Voilà, chacun croit en ce qu'il veut croire. Je n'oblige personne à croire au fait que je veux parler, etc., etc. Donc, il n'y aura pas d'enquête sur cette chaîne. Il n'y aura pas d'enquête paranormale. Si vous voulez voir des enquêtes paranormales, je vous conseille deux chaînes YouTube que j'aime beaucoup. Donc, la Ghostfield slash CK Digital Production et JRM Investigation Paranormale, je crois que c'est. Enfin voilà, vous tapez ça sur YouTube, sur la barre de recherche et vous les trouvez. C'est vraiment les deux chaînes que j'aime beaucoup qui parlent de paranormal, qui font des enquêtes de paranormal et que j'adore. Après, vous avez aussi Gus qui fait de bonnes vidéos paranormales, enquêtes paranormales. Donc voilà, c'est un sujet que je vais aborder sur la chaîne. Je ne sais pas encore comment je vais l'amener sur la chaîne. Si c'est sous forme de tag, si c'est sous forme de présentation de chaîne. Je ne sais pas encore, mais voilà, je vous ferai des vidéos sur ce sujet-là. Ensuite, autre chose que j'aimerais faire, enfin refaire en tout cas, c'est des vidéos avec d'autres personnes. Donc des personnes que je connais, peut-être d'autres youtubeurs, youtubeuses. Alors j'aimerais en refaire aussi avec ma meilleure amie, donc Estelle. J'aimerais en refaire avec Justine, voilà. Et également Aurélie, quand elle sera disponible. J'aimerais en refaire avec ces trois personnes-là aussi. Donc les filles, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Et voilà, à peu près. Après, je continuerai toujours à vous parler, comme je vous disais, de produits de beauté, etc., de bougies, de tout. Je compte vous faire également une vidéo rangement make-up, voir le dernier que je vous ai fait, combien de temps il date. Mais vous faire une vidéo rangement make-up parce que ça a pas mal bougé au niveau de mon rangement. Donc voilà, vous parler également de tout ce qui est scrap, loisirs créatifs, vous parler de ma
Scrap mobile qui est juste là, que vous voyez, voilà, qui est ici à côté de moi, à côté de mon bureau. Donc voilà à peu près les sujets que j'aimerais aborder sur cette chaîne. Et j'aimerais également aborder les sujets de la vie de tous les jours. Donc voilà, les sujets sur les règles, la contraception, etc., etc. Mais il y a certaines vidéos qui me demanderont un peu plus de travail, un peu plus de recherche avant de vous en parler. Donc voilà, tout simplement. Et enfin, le dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est le fait que j'ai une seconde chaîne YouTube. Oui. Voilà, j'ai une seconde chaîne YouTube qui est Les Vlogs de Chloé. Comme son nom l'indique, c'est une chaîne de vlog. Donc il y aura plus de vlogs sur cette chaîne-là. Ce sera tout sur les vlogs de Chloé. Ça fait beaucoup de mots vlog en très peu de temps. Donc voilà, ce sera vraiment sur cette chaîne-là où vous aurez tous les vlogs. D'ailleurs, il y a des vlogs qui sont sortis déjà. Donc il y a les vlogs. Quand je suis partie en vacances avec mon chéri du 5 au 12 mai, je vous ai fait un vlog par jour. Et je vous les ai postés quand je suis rentrée de vacances. Donc voilà, ils sont disponibles sur cette chaîne. Il y a également un vlog sur un week-end, vous allez voir, avec une course un peu spéciale et d'autres choses. Donc je vous laisse aller voir. Au moment où vous voyez cette vidéo, elle est en ligne sur ma seconde chaîne que je vous mets sur le petit i et en barre d'infos. Et voilà. Et après, il y a trois vidéos, enfin trois vlogs de prévu, plus un vlog au roi de l'oiseau. Et voilà, tout simplement. Et également, j'ai oublié un petit sujet que j'aimerais aborder. Je vous ferai toujours des hauls, en fait, sur cette chaîne. Et je pense vous en filmer un très bientôt sur ce que j'ai ramené de vacances. Parce que je suis partie donc en vacances, comme je vous disais, avec mon chéri du 5 au 12 mai. Et là, je suis partie début août avec Estelle, son chéri, sa belle-sœur, moi et mon chéri. Voilà, on est partis tous les 5 en vacances, encore une fois, dans le sud de la France, vers Barcarès, etc., Perpignan, dans ce coin-là. Donc voilà, je vais peut-être vous faire une petite vidéo sur ce que j'ai ramené, ce qu'on m'a offert et ce que j'ai offert moi. Donc voilà, je pense vous parler de ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'aborde des sujets sur cette chaîne, que ce soit des sujets niveau beauté, des sujets de la vie de tous les jours, etc., etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Il y a également un tag que j'aimerais vous refaire. C'est le tag mon copain petit que je vous avais filmé. Donc je ne sais pas si je vous le poste ou si je vous le refilme. Je vais voir. Donc en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore une fois des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne. Que ce soit des sujets de la vie tous les jours, des crash tests, des tags, etc. N'hésitez pas à me le dire tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner par ici. Il y a le petit bouton s'abonner. Si là. Chaîne vous plaît, que vous avez et que vous voulez voir le nouveau contenu qui va arriver. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!